Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation, enfin bal. J'ai reçu un colis, enfin, Gégé et moi avons reçu un colis de la part de Roger Moffa. Il n'a pas de chaîne, mais il est très présent sur toutes les vidéos. Et Roger aime bien faire plaisir aux scrappeuses. Et donc, là, il nous avait fait un colis. À la base, c'était pour Noël. Mais, bon, une chose entraînant une autre, voilà. Du coup, il nous l'a envoyé maintenant. Et on l'a pour Pâques. Donc, Roger, déjà d'avance, je te remercie. Moi, je suis super contente. Et voilà, fallait pas, c'est énorme. Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon petit colis. Donc, Roger m'a fait une carte et je suis touchée parce qu'il a fait du scrap, en fait. Parce que d'habitude, il fait des coloriages, il ne fait pas de scrap, il fait beaucoup de coloriages. Enfin, je pense que tu ne fais pas de scrap. Et là, en fait, il a scrappé des cartes. Donc, il a pris du papier comme ça, il l'a coupé et avec une feuille blanche, il a fait le derrière. Donc voilà déjà, et ensuite il a rajouté plein de petits strass, donc là je pense que vous les voyez, plein de petits strass sur la carte, des petites fleurs, des petites étoiles, enfin voilà, il l'a vraiment agrémenté comme un scrapper. Donc je suis touchée que tu aies pris le temps de faire ça et je t'en remercie beaucoup. Donc dedans il m'a mis un gentil mot. Voilà, donc ne t'inquiète pas, je suis super contente. Oui, il me plaît énormément. Et de toute façon, tu ne pouvais pas te tromper en misant là-dessus. Voilà, chez moi, tu vises Disney, les fées, tu ne peux pas te tromper. Voilà, donc mon petit colis, enfin mon petit, non, c'est une façon de parler, contenait déjà du thé que j'ai déjà rangé dans ma boîte. Et aussi plein de chocolat. Voilà. Plein de chocolat, du coup, parce qu'il nous les a envoyés, du coup, pour Pâques. Donc ça, bah, je suis trop contente parce que c'est super bon. Et moi, je suis... c'est ma drogue, le chocolat. Donc, voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc ça, c'est sur mon plan de travail. Et comme ça, eh ben, je peux piocher dedans quand j'en ai envie. Voilà. Et le thé, il est déjà rangé et j'ai déjà commencé à en boire. Et donc... avec ces chocolats et le thé, il m'a mis un diamond painting parce que bah, il a vu que je faisais du diamond painting. Et je vais vous montrer comme il est beau. Donc, c'est un diamond painting qui est assez grand. Il faudra peut-être que je recule le téléphone. Hop, j'essaye de le sortir. Voilà. Donc, hop là, il fait 50 par 50. Donc, il est vraiment très, très grand. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que je veux pas l'abîmer. Voilà. Et le dessin, je vais vous montrer sur les diamants. Donc, 50 par 50, c'est énorme. Attendez, je vais le remonter un petit peu pour que vous voyez. Voilà, c'est quand même assez énorme. Tu aurais jamais dû, c'est énorme. Voilà. Et donc, le dessin doit être dedans, je pense. Il est resté dans la boîte. Non, il doit être dedans. Non, il n'est pas dedans. Donc là, ce sont tous les diamants que j'ai besoin pour faire le diamond painting. Voilà. Donc, ça en fait pas mal. Je crois qu'il y a 26 couleurs, il me semble. Et je vais vous montrer, du coup, l'image sur celui-là. Voilà. On va le voir comme ça. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Sur le côté, peut-être qu'on verra mieux. C'est flou, hein. C'est pas évident, hein. Hop. Voilà, je ne peux pas vous le montrer mieux que ça, donc vous le verrez quand je l'aurai fait. Voilà, donc je pense que je vais le commencer certainement la semaine prochaine.
parce que ben là, c'était un peu chargé avec tous les enfants, c'était compliqué. Ouais, puisqu'il y avait deux tout petits de 3 ans, 4 ans, pardon, 4 ans. Après, ben, il y avait les miens et il y avait Tom aussi qui, lui, a 11 ans. Donc, c'est pas les plus turbulents, mais ça fait beaucoup de monde à la maison et pour faire du diamond painting, ben non, c'est pas possible. Voilà, et ben sur ce, Roger, je te remercie énormément. Je te fais des bisous et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Tchuss!